Hey, it's you, you're back into town. You seem so fine when I've been stuck in the couch. Hey, what's new? I'm a girl with a mouse. Gonna spread my word online, are you ready now? Singing, ooh la la, get me out of here. On a encore reçu des dons. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Personne ne peut survivre 5 ans sans aucun contact physique. Elle n'a pas droit au contact physique, hein. De ton côté, aucune règle n'a été établie par Sagui. Tu peux faire ce que tu veux, profites-en. Clara, quelle bonne surprise. Tu fais quoi avec ces valises? Avec ce qui s'est passé dernièrement, j'ai conscience que tu puisses douter de ma sincérité, mais sache que je suis déterminée à te prouver mon amour. Alors, tu as besoin de quelqu'un de fidèle à tes côtés, qui soit là dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors j'ai décidé de venir m'installer avec toi dans ton studio. Ce sera notre petit foyer à tous les deux et je m'occuperai de toi comme une petite fée. La femme doit être au service de l'homme et si besoin s'installer avec lui pour... S'occuper de lui même s'il est réticent car tout homme a besoin d'une femme à ses côtés. Ah non. Encore 4 ans, 11 mois et 28 jours. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce Camille? T'as jamais eu besoin de lui avant, alors pourquoi maintenant? Camille m'a appris ce qu'était que la pureté. Non, attends, et si ton Camille était un escroc, hein? Mais n'importe quoi. C'est peut-être un mec paumé qui a fait une vidéo bourrée pour essayer de récupérer sa copine qu'il a larguée la veille. Elle en a de l'imagination, elle. N'importe quoi. Je sais, je le sens qu'il est sincère. Je l'ai su dès que je l'ai vu. C'est un ange dont la mission est de transmettre l'amour aux humains. Vous avez pas faim, vous? Si. Oh, mais oui, il est bientôt midi. Vous savez quoi? Je vais aller faire les courses. Après tout, ça fait partie de ma mission, non? Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Non mais qu'est-ce que tu vas lui raconter, là? Cette histoire tourne déjà au cauchemar, là, pour moi, donc... Oui, bah, elle va bien finir par se douter que t'es Camille. Kaz! Pourquoi tu utilisais Camille Kaz sur CSGO, hein? Parce qu'on n'a pas encore une chance de gagner. Bah oui. J'ai oublié mes clés au cas où vous sortez. À tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. Ça, c'était moins une. Mmh. On va vraiment mettre fin, là, à cette histoire de secte et de gourou. Oui. Roublard qui spawn kill dans Dofus. J'ai oublié ma carte de fidélité. Ah, quelle voilà. Courbe. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je sais plus ce que je voulais. Oh bah tant pis. À tout à l'heure. Oh non. J'y vais. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tes préceptes, tes règles. Et leur dicta que tes fidèles doivent suivre à la lettre. Les maximes de Camille. C'est quoi ce truc? Bah, toute religion possède un enseignement dans un livre sacré. Celui de Sagui est unique. Entre la Bible, la Torah et le Coran. J'ai mélangé les textes. Quoi? Oui, j'ai aussi rajouté des textes sur la Dianétique, la doctrine des témoins de Jéhovah et une pointe de pastafarisme. Camille, l'un des descendants du MVS? Le monstre volant spaghetti. Taré là, sérieux. Les vaccins sont un complot du gouvernement, mais il vaut mieux se faire vacciner plutôt que de risquer une comorbidité. Ah bah c'est bien ça, au moins c'est progressiste. Mmh. Par contre là tu t'es gouré, t'as imprimé plusieurs fois la même page, regarde. Fais voir. Ah non, il y a 365 pages avec 365 rituels à faire une fois par jour pendant un an. D'ailleurs, tu vas faire une vidéo pour annoncer ton livre, il va vendre comme des petits pains. Et oh, on se détend là, c'est pas un business, d'accord? Oh que si. Ça te permettrait même d'éviter de chercher du taf. Ça, bah là, par exemple, tu vois, ça, tu peux pas dire ça, là. Ah, j'ai fait que recopier. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire, là? Si seulement tes préceptes étaient sains, mais là, tu répètes, amplifies des discours qui posent déjà le débat dans notre société. Moi, je veux pas participer à ça, donc on arrête les conneries. Camille, c'est terminé.
Moi, je supprime ma chaîne YouTube. Et tu veux perdre Clara par la même occasion? Écoute, on va mettre fin à cette histoire, mais avec élégance. Tu révèles une apocalypse dans un futur proche. Tu annonces une prophétie qui s'accomplira par ton sacrifice et ta résurrection. Comme ça, tu disparais sans faire d'histoire, sans être poursuivi par des adeptes, enragés pour s'être fait berner. Et pour Clara et son abstinence? Avant le sacrifice, tu choisis une élue. Clara, qui t'accompagne jusqu'à ton voyage ultime. Avant le rituel, tu pratiques l'absolution pour la laver de son âme et toutes ses fautes et tu disparais dans un spectacle éblouissant! Et puis retour à ma vie d'avant. Ouais, ça me va. Par contre, je veux que tu me promettes de rembourser tout le monde jusqu'au dernier centime. D'accord. Voici Brahma! Voici Shiva! Namasté! Et voici Vishnu! Ces plantes sont nos avatars! Elles représentent notre être spirituel! Il faut s'en occuper comme un petit totem ou comme un petit bébé! Parce que si elles vont pas bien, on va pas bien! Si elles vont bien, on va bien! Si on va bien, elles vont bien! Mais si on va pas bien, elles vont pas bien! Voilà, maintenant nous sommes liés à la vie et à la mort pour nous occuper de ces plantes! Pour la vie! Cadeau! Et la bouffe? Get me out of here.